jasage de jeu de rôle on the go. Si vous demandez pourquoi je fais pas des vidéos à tous les jours, c'est parce que ces temps-ci, des fois, je fais des vidéos cachées pour mes joueurs du Playmaker. C'est pas grave. Vous avez votre dose semi-quotidienne. C'est quand même pas si pire, là, je pense. En tout cas, moi, si François Letarte, il faisait pas des vidéos par jour, je pourrais accepter aux deux jours. Mais maintenant, j'aurais un manque. Mais en tout cas, ça, c'est juste moi. Fait que, trêve de plaisanterie. Nous allons discuter de quoi aujourd'hui. Hier, je parlais avec un de mes joueurs qui faisait son bonhomme pour le play, justement, tu sais. Puis, il a jamais joué. Fait que là, il se met à me poser des questions. Je peux-tu faire ci? Je peux-tu faire ça? Puis, j'ai fait comme... C'est clair qu'il y a une manière de le faire. En fait, je savais qu'il y en avait une. Je savais comment ça se faisait. Mais je me suis dit... c'est des options que je n'avais pas données à la création. Vu que c'était du nouveau monde, puis tout, j'ai dit, je ne vais pas donner toutes les options disponibles. Fait qu'il m'a demandé quelque chose, puis j'ai fait comme, ben oui, ça se fait. Soit que tu peux le faire via des points de skill que tu places, tu sais, ou un point de background que je n'avais pas nommé, c'est le point artefact. Tu peux commencer avec un artefact. Fait que là, j'ai dit, garde, c'est les deux manières que tu peux le faire. Tu choisis laquelle que tu veux. En termes de freebie, c'était pas mal la même chose. Non, c'était moins cher en background. Mais tu as moins de points de background. En tout cas, fait que j'ai accepté ça. Je vous dis pas c'est qui, je vous dis pas c'est quoi. Mais cette personne-là m'a demandé quelque chose. J'ai dit, je vais le faire. Puis c'est ça qui m'a redonné un peu... T'sais, c'est toujours des affaires. Tu sais, quand on est maître de jeu, on oublie. On oublie des petites niaiseries, puis tout. Tu sais, genre des. Je peux-tu faire ça, là? Des fois, on fait comme. Bah, non, mais tout. Mais Chris, faut jamais dire ça. Pis c'est un bon aide-mémoire que j'ai eu encore une fois de me faire demander ça, de dire oui, c'est vrai, si on peut faire ça. Pis je l'encourage, tu sais. J'ai un de mes joueurs, tu sais. Il dit, c'est-tu grave si je fais ci, ça. Puis tu sais, il power pas. Comment dire, il min-max pas son bonhomme, il power pas son bonhomme, genre. Mais ce qu'il fait, le spécialise, puis je trouvais ça génial. Moi, je trouvais ça parfait. Je le sais que son bonhomme, il va être spécialiste là-dedans. Fait que déjà, là, ça me donne une genre de piste pour stimuler cette personne-là. Tu sais, quelqu'un qui se met un peu des points n'importe où, il fait, tu sais, je vais trouver une manière de le divertir. Mais dès le début, je saurais peut-être pas où m'en aller avec. Je saurais pas où est-ce qu'il veut s'en aller. T'sais. Fait que là, il va falloir que je sois attentif. Je dis, écoute, ah, c'est ça qu'il cherche, c'est ça qu'il veut. Mais tandis que l'autre qui arrive, regarde ça, moi, j'ai ma pause gold ici pour telle affaire. Inquiète-toi pas, je vais te faire rentrer dans tes affaires de ce que tu veux. Puis ça va être malade, tu vas triper ta vie. T'sais. Fait que ça m'a redonné un peu de pep. Je suis pas mal topé. Je suis pas mal topé en pep. J'ai le pep pas mal au top parce que j'ai tellement hâte à cette game-là, tu sais. Puis, je fais les... À tous les jours, j'essaie d'en faire un petit peu quand je peux. Là, ces temps-ci, c'est beaucoup les disciplines parce que les joueurs, il faudra que je leur donne ça, tu sais. Mais, je sais pas, ça m'a fait du bien. Mais hier, bon, là, on va jaser, OK? Mettons, la vidéo est finie. Là, je vous jase. Je vous jase juste parce que j'ai encore du chemin à faire. Puis je sais qu'on aime ça jaser, gars. Jasage de jeu de rôle. On pourrait dire hier que j'ai fait un jeu de rôle, ouais. J'allais faire un escape room. Oh que oui! J'allais faire un escape room à l'Emprise à Saint-Hyacinthe. Pour vrai, c'est quelque chose à essayer dans votre vie. Si vous l'avez jamais fait, là, je sais pas si je devrais. T'sais, c'est peut-être un peu cher. Chris, non, c'est. Le prix est oui. Un prix a quand même élevé, mais ça c'est tellement. Tellement le fun, c'est tellement malade faire ça. Ça stimule l'intellect, des fois. Tu sais, hier, là, pour vrai, là, hier, il y avait autant du mental, tu sais, que de la dextérité fine. Un moment donné, il fallait faire des affaires. Tu sais, je veux pas trop en dévoiler, là, mais bon, OK, je suis allé faire l'Académie des super vilains à l'Emprise hier. Puis c'était. L'autre qui considérait ça comme débutant. Quand on l'a fini, il nous restait entre 5 et 10 minutes. On a pris deux indices. Le premier, on l'a pris au bout de 12 minutes parce qu'on était là. Puis, voyons, on n'est pas calme, on ne sait pas quoi faire. Fait que là, maintenant, on fait OK, voilà, on va le prendre. Puis après ça, ça a débouché, puis ça a bien déboulé. Puis un autre, maintenant, on en a pris un autre, là. Mais bon, pour vrai, c'est un rôle hein, qu'on fait. On est comme des. Je jouais un super vilain qui devait s'évader d'une classe parce qu'on.
notre initiation, parce qu'on venait de finir nos cours de super vilain, t'sais. Notre initiation, c'était de sortir de la classe avant une heure. Sinon, ça explosait et on mourrait tous. On peut s'entendre que c'est un rôle qu'on joue parce qu'ils nous feront pas exploser pour vrai. T'sais. Mais moi, j'aime toujours ça, ces choses-là. Puis, c'est ça, on initiait aussi deux personnes qui n'avaient jamais fait ça. T'sais. Moi, puis la folle, on a fait une coupe d'escape room. Puis, toujours le fun. Puis on a initié certaines personnes à ça. Je pense qu'une fois, une personne qui a moyen trippé, tu sais. Mais toutes les autres qu'on a amenés là, ils ont adoré leur vie. Puis ceux d'hier, entre autres, il y a Kevin qu'on a initié au jeu de rôle au début de l'année. Puis à la fin de l'année, on l'initie au Escape Room. Ce gars-là, il découvre un nouvel univers avec nous. Sa vie était tellement différente. Hein. Fait que... ils ont adoré leur expérience, puis c'est vraiment cool de voir ça. Tu sais, je veux dire, que, comme j'ai déjà dit, débarrer un cadenas, c'est tellement malade. C'est-t-il. Mais l'autre personne, on va l'appeler Madame Sourire. Tu sais, Madame Sourire, elle, Chris, quand elle débarrer un cadenas, c'était comme, oh my god, j'ai découvert le feu. Oh, c'était écœurant. Mais c'est ça, c'est-t-il, quand t'as pas fait ça, c'est trop le fun. Moi, je vous le dis, je fais une publicité. C'est une publicité pour l'emprise. Venez faire des scénarios à l'emprise à Saint-Hyacinthe. Escape Room. Ils sont rendus avec deux locaux tellement qu'ils ont des idées puis des salles. Puis ils ont. Je pense qu'ils ont 5 salles à chaque place. Ils sont en train d'en construire 2 nouvelles. Puis ils ont des thématiques originales. T'sais. C'est pas toujours. On a fait un sortir de prison. Là, c'était on est des vilains qu'il faut sortir. Il y en a un, on avait une heure, on était en retenue. Puis on avait une heure pour prouver que c'était pas nous autres qui avaient fait la méchanceté, le coup. C'est pas nous autres qui l'avaient fait. Là, ils sont en train d'en construire un. Il faut que tu réussisses à faire jouer une chanson à la radio étudiante pour un de tes amis. Parce qu'il veut déclarer son amour à une fille. Fait que tu sais, encore une thématique originale, c'est vraiment hot. Puis y en a un autre, c'est carrément une enquête de meurtre. Là, faut que tu lises des choses puis tu trouves c'est qui le meurtrier. Fait que lui, on l'a pas fait, là. Ça a l'air qu'il est comme expert. Puis c'est pas quelque chose que t'amènes des nouveaux forains, que tu sois comme. Que tu baignes et t'aimes ça. Puis c'est pas un escape room, tu sais. Tu peux sortir de la pièce quand tu as trouvé le meurtrier. Fait que c'est plus de la recherche d'indices que des énigmes, en tout cas. Fait que. Je vous encourage fortement à y aller. Trouvez-vous le moyen d'y aller. Souvent, ça va être 3 personnes pour faire ça, là. Mais je vous encourage fortement. Bon, ben, je suis arrivé chez nous. On a fini de jaser. Fait qu'on se rejase. Bye.